Et bonjour à tous, on est de retour sur Hearthstone, on est toujours en train de tester les dernières mises à jour du champ de bataille avec les pirates et quelques héros en plus. On s'est pas trop mal démerdé sur la première partie de tout à l'heure, là on commence à chuter dans les affres top, mais bon. Mais pas. C'est pas dramatique. Pour héroïque passif, la première actualisation de chaque tour coûte 0. Nosdormu, trop bien. Nefarien, oh, je t'ai vu hier, toi. On t'a tué. Pouvoir héroïque, début du combat, inflige 1 de dégâts à tous les serviteurs adverses. On va prendre Nosdormu. Un pouvoir passif qui est, somme toute, très utile. Ça n'a pas d'influence sur le deck que je choisis, ce qui est pas mal. Est pas mal, pas mal. Donc, premier tour, qu'avons-nous? Voilà mon commandant préféré. Je suis prêt. C'est quand vous voulez. Des murlocs et un démon. En vrai, on va prendre le démon. J'ai eu pas mal de démons ces derniers temps. Je me dis que peut-être un démon. Peut-être que ça va être ma première partie de la journée avec 8 où on sera 8 dans la partie. Parce qu'à chaque fois, tour 1 quasiment les gens abandonnent, ce qui est un peu dommage. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Ne le dis pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Ah. Gagne. Il invoque quelqu'un d'autre et il gagne. Les pirates. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. À ce niveau 2. Que là, on va perdre quelques. Ah, mais à chaque fois, on peut tourner là. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Il y a du mecha. Hein. Le mecha, j'adore le mecha à partir de 3 étoiles. Donc, on va voir. On a un peu de chance. Murloc, mecha. Continuez comme ça. J'ai vu du dragon aussi, je crois. La mort. Et parti sur un deck dragon. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Ah, donc du mecha, hein. Toujours du mecha et encore du mecha. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Où on part sur du mecha. Merde. Tourner la page gratuitement, à chaque fois j'oublie. C'est dommage, j'ai abandonné mon démon pour finalement avoir un démon qui tombe. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. C'est pas bien, on a fait un deck démon. Démon méca tout à l'heure, c'est pas trop mal. Et voilà, la mort. Par décapitation. Dur combat. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Guerre gagne plus 1. Et guerre donne à vos pirates. Ouais, donc ça sera déterminant au prochain pour tour. Tout le je pense que là, ces je suis mal barré. Ne savent pas se tenir. Je suis mal barré, mauvais départ. Mauvaise vie, la vie que j'ai choisie. Je pense que vous avez une chance de l'emporter.
Ma chance, mes chances de l'emporter s'amenuisent au fur et à mesure. Toute défaite qui ne vous détruit pas. Alors, chaque serviteur a survécu à une attaque, il attaque immédiatement. On est parti en mode. On a dit. Système de défense activé. Chaque fois que vous invoquez un mecha en combat, il gagne plus 100 et bouclier divin. Un choix tactique intéressant. Il est de retour. Il est de retour pour nous joindre au mauvais tour. Allez-y, engagez une de ces recrues. Dommage, j'aurais pu l'avoir en deux exemplaires. Mon deck mecha est pas top. Hein. Mais bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Faut atteindre le 4 étoiles pour pouvoir enfin avoir les mechas qui m'intéressent. Ouais. Pas folichon. Hein. Pas folichon. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Dans la merde. Et là, d'un coup, on a des dragons de partout. Hein. C'est la folie. On prend lui. On y va. Là, j'ai des dragons à ce tour-ci. J'ai des dragons de partout. Le deck le plus fou, le fou de la terre. Hein. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Merde. On a tous les deux un deck nul, mais lui il est moins nul que moi. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Rien d'intéressant. Ah si, il y avait lui. Oui, énormément de qui brille, je suis d'accord. Je vais réussir à avoir la bombe déjà. Bon, pour augmenter à chaque bien. Tour, je sais pas. On va bien. Je vais vite perdre. Regarde ça. Je vais finir 8ème à cette partie, je le sens. Arrivé gros comme une maison. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Un poil plus de chance. Oh.
ce que vous recherchiez. Votre langue est plus un pour chacun de vos dragons. Une fois que vous achetez un pirate, vous gagnez une pièce d'or pendant ce tour uniquement. Allez, on tourne la page. 3 étoiles. Qui me fallait, là. Les vents glacés me guident. Je vais les garder pour plus tard. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Merde. Ah, je suis encore vivant, mais c'est tellement... Je suis tellement close, là, c'est horrible. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Du coup... Un choix tactique intéressant. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ce tour. Alors, tac, on revend. On prend ça, tac, on fait. Tac. Système de défense activé. Tac, on prend ça, tac. On fait. Tac. Système de défense activé. Tac, ok. Oh putain. Ah, il est là. Il est là. Il est là. Stop. Continuez comme ça. Celui que je souhaite avoir, il est là. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Oui, je l'aime bien. Un choix tactique intéressant. Ça coûte 0. Ça va être différent. Il gagne plus de. Ouais. Mais non. Putain, mais y'a rien de folichon là. Et on va le revendre. Comme ça, on verra ce que ça donne. On verra bien. Là, il va augmenter un peu plus, il va augmenter de 4, il va passer à 16, c'est pas si mal, mais bon, 3 points de vie, je perds une fois, je suis dans la merde.
tuer comme ça. Ça augmente à chaque tour, donc ça va. Ma foi, je gagne. De toute façon, j'ai pas le choix là. Si je gagne pas, je meurs. Donc. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. C'est une sacrée armée que vous formez là. On a pas. J'aurai toujours lui. Désir incommensurable. Allez-y, engagez les recrues. Plaisir est là. Oh non. Si je perds lui, c'est dommage. Hop là. Là. Voilà, c'est peut-être la pire manœuvre que j'ai fait de ma vie parce que j'ai remplacé un truc qui avait pas mal de vie. Ouah, remarque si je récupère le même nombre de vie. Vraiment bien. La différence c'est que lui pourra invoquer les types et les autres continuent d'augmenter. Ils n'augmentent pas autant que ce qu'ils devraient. Yes, yes, je m'en suis sorti avec mes 3 points de vie. Je repasse. J'assure la 5ème place. Vous vous débrouillez bien. Du coup, bah lui, on achète. Hein. Si on peut avoir, on peut l'avoir en niveau 3, ça peut être intéressant. Continuez comme ça. Ça va être compliqué cette histoire. Est-ce que mon choix a été bon ou est-ce que j'ai fait le pire choix de la Terre? L'avenir nous le dira. Bien assez tôt. C'est la mort. Et du coup, on fait top 5. Et non, top 4. Parce que l'autre gars a fini. Donc on est repassé, on regagne 4 hein, en ayant perdu 10 au tour d'avant. Mais on s'est bien démerdé. Pour dire qu'on était mal parti, on s'est bien démerdé.
C'est juste qu'à des moments, ouais. Point indécis dans les premiers tours et après je le paye, quoi. Bon, on avait un mix dragon pirate, c'était pas. C'était pas folichon hein, comme truc. C'est pas le must-have. Enfin bon. Alors, soit lui qui a beaucoup de points de vie, soit pouvoir héroïque passif, une fois que vous avez amélioré la taverne de Bob au niveau 5, découvre deux dragons. Ça nous oblige à partir sur un deck dragon. Ça me laisse le choix. Prendre le recousu. Comment il s'appelle ? Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Est-ce que je ferais pas un truc un peu plus long? Pas de truc utile. Très couillon là. On a le deck démon. Je vous souhaite un bon combat. Elle gagne. Ça c'est mal. Est-ce que tout se passe bien? Plutôt. Pas de truc utile. Hâte de vous montrer. Alors, bête, pirate, mecha et démon. Donc il n'y a pas de dragon dans cette partie. J'ai bien fait de pas prendre de dragon. Hein. J'aurais été emmerdé. Débrouillez vraiment bien. Ok. Allez, c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Un tour productif. Pour avoir un peu de chance sur mes 3 étoiles qui tombent. Pour l'instant, on est plus sur démon pirate, on va bien voir ce qu'il y a après. Continuez comme ça. La victoire en chantant. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Oh. Y a un truc qui me fait plaisir là. Y a un truc qui me fait plaisir là. Disconnect. Digling que j'ai entendu. Rien de bien grave.
Et la mort est là. Non, je me cogne. Te cogne pas contre le micro, voyons. Fais pas n'importe quoi. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Oh là là, comme dirait l'autre. Oh lélé, oh là là. Quand est-ce qu'il faut y aller ? On est toujours là. On vend lui. Dans le mur. On est pas mal là. J'ai bien fait de partir sur un deck bête, je ne sais pas encore. Y a pas de... Je crois que c'est dragon ou mecha qu'il n'y a pas. Toujours pas essayer un deck pirate. On va lui faire mal, le monsieur. Continuez sur votre lancée. Qu'est-ce que c'est marrant ça? Un 3 en 1. Merde, j'aurais dû le faire avant. Avant de faire le 3 en 1. Ah non, on peut le faire après, c'est bon. Là, je vais avoir un niveau 4. Oui, j'ai un niveau 4. Hop là. Oh! Oh le plaisir! Non. Dès qu'on peut le transformer en tank, on le fera. J'ai plus que 1 pour tourner, donc on fait 1 pour tourner. Et il y a ça pour transformer lui en tank, mais c'est parfait. Lui en tank, c'est mieux, il fait pop une seule bête. Mais merde, il gagne avec un seul homme. Ils sont vraiment chiants ces canons arcaniques. Par contre, l'effet est trop bourrin. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Ils réduisent un peu l'effet. Hop là. Tac, du coup, on a dit. Tac, on fait sur lui. Et lui, on va mettre par là. Après, on tourne la page. Moi pas que c'est pas vrai. Je peux la prendre pour l'instant. Tac. Ah. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Page. Rien de folichon, tournons la page. Rien de folichon. Bloque la page. Je vais les garder pour plus tard. Et je remets le sang. Et tu coupes le sang.
C'est quand même beau parce qu'on va peut-être se taper deux rois des rats. Le clan des rats. Ah non, c'est le, je croyais que c'était le roi des rats, mais non, c'est le clan des rats. Le roi des rats, c'est un héros. Égalité. Égalité quand même. Hein. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Monde folichon. On dirait que vous pouvez obtenir un triplé gagnant. On va bloquer. Ce triplé m'intéresse. Plus lui il m'intéresse aussi. On est bien. On est sur un joli deck qui me plaît bien. Pas trop mal là. Bon, après, c'est le endgame, j'allais dire, qui va être compliqué après. Mais... On sort pas mal. La défaite. Malheureusement, c'est la défaite. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Alors déjà, j'achète lui, tac, c'est sûr. J'achète lui. Vos serviteurs déclenchent deux fois leur roi de l'agonie. Ouais, ça reste le plus intéressant, même s'il ne m'intéresse pas du tout en fait. On en a page. Oh, il y a lui. Oh, oh, le roi des pirates, celui que j'adore. Le plus d'entre tous. Alors, du coup, tac. Masse. Oui. Le fléau va vous consumer. On le revend. Tac. On met. Et on bloque. Je vais faire en sorte qu'il reste sage. Ah non, on bloque pas. Non, on prend. Beaucoup de qui brille. Vous vous débrouillez vraiment bien. Ah.
prends la max. Il y a un pirate qui me plaît. Mais... J'aurais choisi le même. Pa 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 pa. Moment, je mets lui. Garde lui sous la main, c'est au cas où. Au cas où, il y a ce que je veux qui tombe. Mais bon, là, mon deck est pas ouf, officine non plus. Bon, lui, il va vite prendre en. En taille, il me reste 17 points de vie, mais ouais, j'ai attaqué, faut pas oublier que j'ai attaqué avec 50, donc je fais que perdre. Hein. Je ne fais que perdre et c'est décevant. Vous vous débrouillez vraiment bien. C'est un fantôme. J'aurais perdu contre un fantôme, ça aurait été dommage, on va dire. Mais j'arrive. Vous vous débrouillez bien. Putain, putain de putain de merde. Il y a une décision à prendre. Je vais le regretter, je sens. Prends cette décision, je vais le regretter. On tourne la page. Et c'est comme je le pensais, c'est pas folichon. Par la page. Là, il y a pile poil ce que je voudrais. Alors, on va bloquer pour moi. Toi, tu vas dégager. Hop là. Toi, tu vas dégager. Hop là. Toi, on va prendre. Tac. On va te mettre là. Toi. Là. Vous vous débrouillez vraiment bien. Mon mix de choix était pas bon. Quand j'ai fait ces choix-là, je vais rester dans ces choix-là. Hein. C'est pas bon. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien ? Tout se passe mal, mais c'est pas ton problème. Hein, de... Oh merde.
Oh putain, mais y'a rien. Ah. Ah. Eh ben, on va revendre ça, c'est de la merde. Tac. Pile poil ce que vous recherchiez. Mother. Au pire, quoi. Pour les pires choix. Les pires choix au pire moment. En permanence, tout le temps. Rien de solution qui m'intéresse. On est dans la merde. Je vais le mettre un poil avant, lui, mais tant pis. Juste au cas où, si j'arrive à choper le niveau de. Niveau 3, ça sera pas mal. Mais bon. J'ai gagné en fait, je croyais que j'allais perdre, mais... Il semblerait que ça soit gagné. Et je l'élimine, j'assure la quatrième place. Bon bah je suis dans le positif, c'est déjà ça. C'est déjà ça, après c'est pas ce bon deck travail. Est sorti de mon temps. Mais... Sur votre lancée. Bon travail, continue sur votre lancée, t'es gentil, mais il y a que de la merde, donc... Et quoi. D'acheter des trucs pourris et je les remplace. Non. Ah là là, ah là là, mais quel enfer. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ah, indécision va me tuer. Décision va finir par me tuer. Ah, c'est lui que je veux. Mais bon, il va falloir revendre un truc et ça passera sans doute par l'un des rats. Continuez comme ça. Si je suis encore vivant à la partie d'après. 40 en face. Et je l'explose. J'ai fait les 17. J'assure mon top 3. Là, c'est full RNG quand même. J'ai eu énormément de chance là, sur cette partie. Beau travail. Continuez sur votre lancée. Continue sur ma lancée, t'inquiète pas. Je tourne des pages.
Page. Ah, il y a encore lui. Quel plaisir. Prendrait bien, mais ça va suffire. Ça va suffire. C'est lui qu'il faudrait en niveau 3. Enfin, pour libérer une place. Et... Ouh, ça risque d'être tendu contre lui. Ah, ils ont du bol. Il a énormément de bol. C'est pas permis d'avoir autant de bol. Le bol qu'il a eu là, c'est impressionnant. Putain, bon, moi j'ai énormément de bol sur la partie d'avant. Mais quand même, quand tu tombes sur quelqu'un qui a autant de bol que toi, c'est particulièrement stressant. Alors, on tourne la page. Engagez une de ces recrues. Faire chier. Ça, c'est un plaisir. On va prendre un truc comme ça. On prendra un truc comme ça. On revend lui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hein? Oui, tac. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Voilà. Voilà, voilà, on a changé notre truc, ça va nous faire perdre pas mal de DPS. Mais lui tiendra un peu plus longtemps. Et eux sont un poil plus puissants. Mitigé. Top 3, top 2, je sais pas. Yes! Je fais pas beaucoup de dégâts. Hein, mais la dernière ligne droite est assez serrée. Hein. Moi j'ai 2 points de vie, l'autre il a 3 points de vie. Bon travail. Ça reste continuellement serré. Et là on a notre niveau 3. Donc on est super content. On va pouvoir choisir un niveau 6. Un choix tactique intéressant. Beaucoup de qui brille. Et un niveau 6. Ah, il a un Ralga d'agonie celui-là. Même si on l'utilise pas, on va le prendre. C'est comment quand on le posera, son Ralga d'agonie nous sera favorable. Page. Lui qui a un Ralga d'agonie aussi. Il était bien mieux que celui que j'avais tout à l'heure, donc voilà, c'est très bien. On pourrait prendre lui avec son crit care. Faisons comme ça. On revend lui. Tac. Page. Rien de folichon en soi, du coup. Tac. Les grands blessés me guident. Page. Allez-y,
dégager une de ces recrues. Voilà, on a augmenté un peu. Est-ce que ça va faire le travail? Je pense qu'on a gagné. Hein. Ah mais c'était un fantôme, je crois. Donc bien sûr qu'on avait gagné. On l'a déjà battu tout à l'heure. Donc. On a assuré le top 2 maintenant. Faut assurer le top 1. Continuez sur votre lancée. Donc on prend lui. Qui peut être très intéressant avec son râle d'agonie. Un râle d'agonie particulier que j'aime bien. Voilà. Tourne la page une dernière fois. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Du coup, on revend lui. Tac. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. On prend lui. Voilà une pièce pour le dérangement. On met là, ça augmente tout le monde. Il y a lui, encore, et toujours. On va tourner la page. Il n'y a rien d'intéressant. On tourne la page parce qu'après, voilà. Là, c'est soit top 1, soit on est mort. Même pas sûr. Top 1, parce que je sais plus combien il a points de vie, lui. Il a 11 points de vie. Donc c'est possible que... Alors peut-être, comme dans l'autre. Et on gagne. Pas de beaucoup, mais on gagne. Et comme je disais, on est à égalité. Vous vous débrouillez bien. Ce râle d'agonie là peut être bien. Allez-y, engagez une de ces recrues. Il n'y a pas ce qu'il veut, que je veux, malheureusement. Là, j'aurais bien aimé avoir le niveau 2 de... Enfin, la 3 étoiles de celui-là, mais il n'y a pas, donc du coup, voilà. Du coup, on est reparti sur une aventure difficile à gérer. Lui va prendre, hein, bien sûr, il prend à chaque tour, donc c'est pas un souci. Et l'autre n'est pas parti sur un deck poison, donc c'est possible qu'on gagne. Là, je dirais on a une chance sur deux. Peut-être un poil plus de chance pour nous. Thank you.
c'est loose. Malheureusement, hein, là, c'est, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué au dernier tour, j'ai pas acheté un truc pour augmenter mon perso. Ouais. Mais c'est un top 2, un top 2, c'est très bien. Hein. Moins bien que top 1, pardi, voilà, si on veut être tout à fait... Tout à fait, mais bon, tant pis. Allez, on est parti. Pouvoir héroïque, actualise la taverne de Bob, prend un serviteur de niveau de taverne supérieure. Pouvoir héroïque, actualise la taverne de Bob, comprend un serviteur de niveau de taverne supérieure. Ouais, ça c'est pas mal. Pouvoir héroïque passif, tous les serviteurs en plus de l'attaque. Toki l'infini. Il a fait quoi Toki? Il a fait tic tac Toki. Qu'il a fini. Quelle est votre stratégie cette fois, partenaire? J'adore surfer les vagues. J'adore surfer les vagues. Bon, on prend le pirate, hein. Pas spécialement fan, mais... Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Si tu le dis. Égalité. Il fait vraiment rage, dites donc. Ben là, c'est-à-dire que je regrette. Hein. C'est vraiment, je regrette. J'ai hésité à prendre ce qui avait qui me plaisait et je l'ai pas pris. Et j'aurais dû. Et j'aurais dû parce que c'est maintenant que je vais regretter. Je regrette, mais que je regrette. Il y a ce moment où je regrette, je te le dis moi. J'ai tout gâché, j'ai fait n'importe quoi dès le départ, ça va être très dur à rattraper là ce que j'ai fait. Oula, extrêmement bien. Il fait vraiment rage, dites donc. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Là, celui-là, je pourrais l'avoir déjà en niveau 2 si j'avais fait les bons choix. Mais bien sûr, les bons choix, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, donc voilà. Peut-être qu'il faut vivre avec ces mauvais choix en plus. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien? Non, tout se passe plutôt mal d'ailleurs. Dans ton coup. Je vais encore le regretter. Il y a ce moment où je regrette. Continue mes conneries là. Je gagne parce que certains de mes choix n'étaient pas si douteux que ça, mais bon. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Oh oh oh. Oh le plaisir. Le plaisir est là en tout cas. On peut le nier, le plaisir est là. Tac, tac, et on bloque. Je vais me faire un petit dragon mecha, ça va pas traîner. Est-ce que ça sera viable? Sans doute. Mais je vais le faire en tout cas. Pardon. Ah bah vraiment désolé, des fois j'étais... Ouh. Ça me brûle, ça me brûle. Hein. Et merde. Un point de vie. Un point de vie, une balle. Mais c'est pas grave. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Ah. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, comme d'hab. Oh. Des seuls pirates que j'aime jouer. Beaucoup de qui brillent. Pas de ce que je veux. Il y a lui, mais si je revends, je peux pas avoir ce que je veux avec mes cheveux. Donc on va bloquer. Et lui va prendre plus 2 à chaque fois. Donc on a déjà un niveau 3, enfin un or, donc c'est bien, celui-là on peut le garder pour qu'il monte. Qu'est-ce qu'on trouve mieux?
Bon, j'étais assez pessimiste sur ce deck là, mais je le suis toujours. Mais on part un peu mieux là. Comment dire, on redresse un peu la barre. Oh là là, merci. Tu me l'avoir pété, du coup je te fais 7 dans la gueule. Ça fait mal quand t'as plus que 10 points de vie. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Donc j'en étais à acheter lui. Chaque fois qu'un autre pirate allié attaque, lui donne plus. Deux, vu que j'ai pas un truc pirate, c'est pas top. Partir sur du niveau 4 et rester là-dessus, ça peut être intéressant. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Vraiment que de la merde, c'est dommage. Ça fait des 3 de dégâts, c'est pas mal pour engager. On perd les plus 2 d'attaque, mais ça c'est pas bien grave. Dans la situation, là c'est pas le plus important. Mais on a des 4 étoiles qui peuvent tomber, et dont les 4 étoiles que j'apprécie tout particulièrement. Merveilleux. Tout ça. Vous vous débrouillez bien. Ça se regarde bien. Alors, attends. Ça sert pas à grand chose, on va le prendre quand même. Page. Ah, c'est pas le plus intéressant. Ça par contre c'est intéressant. Pas ultra top, mais bon. Ta 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 ta, j'ai bien envie de le bloquer. On va bloquer. Prendre ces deux là pour augmenter lui. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Ça risque de pas être très folichon. Mais... Thank you.
impeccable. On sort, on gagne, on continue de gagner. Mon dragon, quand je gagne, continue de monter. Ça, c'est parfait. Pourrait être intéressant si je n'avais pas à revendre une saloperie pour le faire. Oh, il y a le dragon. Il y a le dragon qui me plaît 10 fois plus. Allez. Système de défense activé. Système de défense activé. Merde. Vous êtes en tête. C'est putain. Dans la poche. Ah, j'ai vu que je les avais revendus, j'y ai pas pensé, j'ai gâché 3 d'or. Ah, c'est la débandable, cette partie je vais perdre. Ah, cette partie c'est l'affrontement là. Ah non, je gagne. Pourtant, j'ai fait une grosse erreur. J'ai oublié les 3 balles. Lui, par contre, est décédé. On a assuré la 5ème place, c'est pour ça. Vous vous débrouillez bien. Pris comme à l'autre. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner 3. Eh oui. Eh oui, ça me permet d'en fusionner 3, ouais. Comme tu dis, mais le problème c'est que... Est-ce que j'attends le tour d'après? Je suis un peu obligé, là. Sinon je revends lui, mais... Ouais, attends, on va revendre lui. C'est pas grave, on va revendre lui, tac. Tac. Serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Voilà. Voyons si vous parvenez à rester en tête. J'aurais pu tourner une page de plus, j'ai pas pensé. Je démerde mal des fois. Pas si mal. Ah, il est mort. Désolé pour toi, mec. On a assuré la 4ème place, donc on est dans les points positifs, ça c'est bien. Ça. Bon, déjà, lui, on améliore. Chaque fois qu'un mec meurt,
Amener un troupe de guerre de votre adversaire. Ah, lien de folichon. Lien de folichon toujours. Dernier tour. Là, on bloque. On va en lui. Ah, il va vous falloir un plus gros bateau. Voyons si vous parvenez à rester en tête. J'aurais dû inverser les deux. Putain, merde. Là, je l'ai perdu cette partie, je pense. Ah non, c'est une égalité. C'est une égalité. Je suis un peu pessimiste quand même aujourd'hui. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien ? Déjà, ça, faudrait que je l'inverse. Ça, je peux le prendre, oui. Ça, ça peut être très intéressant d'avoir. Lui aussi, il est très intéressant. De l'avoir. Tac. Alors, lui, j'ai pas eu l'occasion de voir ce qu'il faisait, mais c'est pas grave. Tac. Là. Ça, c'est un peu chiant. Peu chiant. Oh, il y a lui. Là, par contre, il est beaucoup plus intéressant. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Perdu. Pas de beaucoup, mais c'est perdu. Ah, il faudrait que j'augmente mon œuf. Le mieux, ça serait d'augmenter son œuf. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien ? Tac. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ah, je l'aime bien, mais vaut-il le coup? Ma page. Eh ben, malheureusement, il valait le coup.
Il est là, donc hier j'ai fait deux tours de plus. Faites attention. Ah, c'est bon, on a gagné. Ah, mais c'est un. C'est un fantôme. Un fantôme, normalement, on devrait gagner à chaque fois. Mais... Ah, on a été tendu un peu quand même. Donc, il y a une quête. Pas l'oublier. Je l'aime bien lui. Définitivement je l'aime bien. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ah, je peux pas en engager. Alors, on vend lui. Tac. Ok, pour le moment c'est pas folichon. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Continue d'avancer. Il est toujours debout. On est dans le top 3, c'est pas mal. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Rien de folichon comme dit l'autre. Prenons la page. Invoque 3 pirates à la tour. Il est trop bien le bateau. Un peu cheaté quand même. Et bon, on va voir si on peut trouver autre chose. Ah, il est là. Il est là, mon chéri. Désolé, je te revends, toi. Que j'achète lui. C'est faux, hein, je l'ai ressenti comme quoi il fallait que je l'achète. Et ça me fait une bête de moins, mais bon, je vais rester comme ça. Mais une bête de plus, je pourrais pas faire ce que j'ai à faire. Est-ce que je vais le regretter? Sans doute. Voyons voir. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Ça me fait une bête de moins. J'aurais dû assurer et bloquer le truc.
C'est la mort. C'est ce que je... C'est ce qui me semblait que je tiendrais pas beaucoup. Bon, j'ai le prochain tour pour être tranquille. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. De nouvelles recrues, mais aucune ne m'intéresse. Solution aux serviteurs de chaque type. Ça peut être intéressant. Peut-être le prendre, ouais. Je vais le prendre pour dire je l'ai pris. C'est une sacrée armée que vous formez là. Pas de bol, pas de petit déjeuner. Pas de peau, pas de confiture. Fiez-vous à la lumière, contenez votre rage. Voilà, donc du coup lui à chaque type, il peut augmenter chaque type. Il a le choix entre les dragons, ça serait bien qu'il monte ce dragon là, parce qu'il a vraiment pas beaucoup d'attaque. Il peut monter ce pirate aussi. Vu que c'est un pirate, vu que c'est chaque type, c'est devenu encore plus pété. Et je tombe contre un fantôme que je peux battre normalement. Je devrais battre. Largement. Et pas une seule fois il a attaqué mon truc dégueulasse là. C'est parfait. On est top 2. Vous vous débrouillez bien. Putain. On est top 2. On va prendre lui. Parce que si jamais je le prends, je pourrais augmenter un que je choisis. Ça peut être bien. Système de défense activé. Tac, rien d'autre qui m'intéresse. On tourne la page. Ah, il y a lui, le plaisir ultime est là. On bloque. Et on met lui. Oui, il monte jusqu'au niveau 15-15. On va le renouveler et il monte à 15. C'est parfait. Et à la fin du tour, ça augmente encore. Est-ce que... Ah, il a 63 toujours. 57. Oh non, c'est la défaite. Défaite cuisante à cause de la RNG. Ça, c'est dommage. J'aurais potentiellement pu le battre. Ouais, j'avais un beau deck, hein. J'avais un beau deck. Top 2, c'est pas si mal. Mais malheureusement, hein, j'ai pas refait un top 1.
Ah là là, c'est beau, c'est beau. En tout cas, merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Je vous offre un sourire.